Merci, professeur Bouchtala, pour cette communication très claire, très explicite. Je suis toujours heureux de vous entendre et de vous écouter. Nous remercions aussi le laboratoire Novalac pour leurs impôts et de vous avoir permis de nous présenter cette communication. Alors, nous passons aux questions. Alors, on a plein de questions. Alors, un spectateur anonyme te dit, est-ce que toute diarrhée et vomissement est une gastro-entérite? Oui, ça peut l'être. Ça peut l'être, mais pas uniquement. Il y a d'autres pathologies où on a diarrhée et vomissement. Donc, diarrhée, plutôt gastro-entérite, c'est, faut essayer de respecter la définition que je vous ai donnée. C'est un ensemble de signes, mais c'est aussi l'expérience qui nous dit est-ce que c'est. C'est-à-dire, il faut penser à la gastro-entérite du moment que c'est une diarrhée aiguë. Quand c'est l'aiguë, pensez à la gastro-entérite, mais pas uniquement. D'accord. Une autre question te demande pourquoi le sevrage précoce constitue un facteur de risque? C'est bien connu, le sevrage du nourrisson, ça a été longtemps étudié. Et d'ailleurs, Oran, c'est une faculté de médecine pionnière. Et le service d'Amiral Cabral du CHU a été un service pionnier dans l'étude des diarrhées de sevrage. Ça a été étudié dans les années 90, début 90, où la diarrhée. Oui, la diarrhée pendant longtemps a été considérée, la diarrhée du sevrage, je parle, a été considérée comme une diarrhée ayant des répercussions. Et donc, c'était des nourrissons qui rentraient à l'hôpital, qui étaient hospitalisés pour des déshydratations sévères. Le sevrage, je conseille toujours, il faut conseiller aux parents de sevrer petit à petit, pas brutalement, passer du sein à 100% au biberon 100%. Il faut toujours graduellement passer et ne pas avoir des répercussions du sevrage brutal. D'accord. Dernier, je pose la question, quelles sont les indications des antibiotiques et fébriles, d'une diarrhée entérafébrile, et quels antibiotiques préconisez-vous? Alors, c'est bizarre, j'avais mis cette plaque hier et je l'ai enlevée. Ça se discute selon les germes entre les macrolides et les céphalosporines. Les macrolides sont quand on a un bilan, quand on a une culture des selles. Le germe est identifié, l'antibiogramme nous donne l'antibiotique. Ça, c'est très facile. Mais quand on l'a pas, vous vous rappelez la plaque que j'ai mise pour les caractéristiques cliniques, ça va nous aider. Ça va nous aider, mais ça se joue entre les macrolides et les céphalosporines, première et deuxième et troisième génération selon le germe. Docteur Sbar te demande, est-ce qu'il y a une microbiologie des selles à Oran? Est-ce qu'on sait ce qui se passe chez nous? Une étude échelle Oran, non. Mais bien sûr qu'il y a des bilans de microbiologie des selles. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que l'utilisation des laits AD est meilleure que les laits LF? La même chose. Et C'est la pour même chose. Les laits LF, lactose free, c'est AD, c'est des laits appauvris en lactose. les nourrissons de moins de 3 mois, est-ce qu'on doit utiliser systématiquement un hydrolysat de protéines et pendant combien de temps? Moi, je dirais que non, pas systématiquement. Si l'enfant est bien nutri, s'il ne fait pas de symptômes de malnutrition modérée à grave, si on peut récupérer avec son alimentation qu'il a dans le moment, on peut ne pas donner un hydrolysat systématiquement. L'hydrolysat, on le donne que si la diarrhée s'aggrave ou qu'elle dure. Si elle dure, on peut donner un hydrolysat chez un enfant chez qui on sent le risque. Alors, il y a une autre question. À partir de quel âge on peut donner les prébiotiques chez le nourrisson? Alors, actuellement, les laits industrialisés ou les laits maternisés, ou appelons ça comme vous voulez, sont enrichis en probiotiques. Pas tous aux mêmes valeurs, aux mêmes chiffres.
mais la majorité sont enrichis en probiotiques. D'accord. Il y a une autre question. Quel est le bénéfice du lait sans lactose? Le bénéfice du lait, alors si vous vous rappelez de la physiopathe, certes, je ne me suis pas très trop étalée sur la physiopathe, mais cette destruction au niveau intestinal crée une intolérance au lactose qui est transitoire, qui peut durer un jour, qui peut durer 3 jours. Et pour reconstruire ces cellules intestinales, on enlève transitoirement le lactose. Et on le remet plus tard. Ça permet, cette restriction au lactose permet de restructurer les cellules intestinales. Alors, une autre question, la fièvre dans les gastro-entérites, c'est Yalla Amiroche. Surinfection ou déshydratation, comment faire la différence cliniquement? Cliniquement, cliniquement, vous avez les signes de la déshydratation. C'est très difficile la déshydratation comme thème, mais je pense qu'avec l'expérience d'un bon généraliste ou d'un bon pédiatre, il reconnaît déjà la déshydratation sévère. C'est la déshydratation sévère qui donne de la fièvre, hein, pas la déshydratation légère. Donc, une fois le problème de la réhydratation réglé, donc une fois on a réhydraté l'enfant, la fièvre de la déshydratation disparaît. Et donc, si elle disparaît, c'est que c'était la fièvre de la déshydratation. Si elle persiste, on commence à chercher. Alors, docteur Sba vous demande votre avis sur les diarrhées chez le nouveau-né. Les diarrhées chez nouveau-né, ça peut être beaucoup de choses. Il n'y a pas que la gastroentérite, ça peut être une infection materno-fœtale. On commence déjà à réfléchir pour ça, parce que la mère étant infectée, la listeria, par exemple, peut nous donner des diarrhées à la naissance. Donc, il faut commencer d'abord par chercher les causes venant de la mère. Ensuite, il y a une discussion des diarrhées du nouveau-né. Ça peut être une diarrhée métabolique, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention chez le nouveau-né. Chez le nouveau-né, chercher d'abord une infection materno-fœtale et la traiter en urgence. Très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je ne sais pas si professeur Bouchtara a une remarque ou autre chose. Docteur Boras Karima, qui te demande quelle est la conduite à tenir devant une diarrhée chez un nourrisson d'apparition brutale dans la salle de soins lors d'un week-end. Est-ce que tu peux répéter, s'il te Oui. plaît? La conduite à tenir devant une diarrhée chez un nourrisson d'apparition brutale dans une salle de soins lors d'un week-end. D'abord, sortir voir le malade, ne pas le laisser attendre beaucoup. Et ça, je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup de médecins qui le font. Sortir voir le patient. Le faire patienter s'il est en bon état. Ne pas le faire patienter s'il est en mauvais état. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. S'il est en mauvais état, vous avez déjà regardé, vous le faites rentrer, vous l'examinez. S'il est déshydraté, vous l'hospitalisez. Ça, c'est le petit nourrisson dans la salle de soins. Première chose, sortir, regarder. Deuxième chose plutôt, regarder s'il n'est pas en train de convulser. Parce que par une déshydratation, on peut convulser. Donc, sortir, voir le malade dans la salle de soins, c'est important. Tout le reste, on peut le faire tranquillement dans la consultation et décider de faire des bilans, de réhydrater bien sûr par les SRO, de faire des bilans ou pas. Je OK. ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense. Merci. Merci, professeur Bouchtara. Merci à vous. On passe à la deuxième communication. Delim, vas-y. Alors, on invite Dr Jahlat, qui est le responsable du groupe d'endocrinologie pédiatrique de la Société pédiatrique de l'Ouest, afin de partager son expérience. Et on remercie le professeur Bouchtara Merci à encore une vous, fois merci à et le tous les deux. laboratoire Novalac pour ce symposium.